Bonjour à toutes et tous, Papy vous retrouve avec plaisir. Aujourd'hui, on va faire une petite partie libre sur Anselme. Donc, avec mon javelin Tempête Gordini. Voilà. Couleur blanc et bleu, un peu bleu ciel, quoi. Voilà. Donc, ouais, je fais une petite partie libre, hein, sans prise de tête. Et puis, voilà. Donc, je capture avec mon live média LiveGamer Ultra, Aver Media. Donc, je vous le capture en 4K, là. Mais 4K, 30 FPS. De toute façon, le jeu est en 30 FPS, donc ça tombe bien. Avec le micro-cravate. Donc, vous allez entendre... je regardais le truc bleu là en face. Vous allez entendre les ventilos. Mais bon, ça va. On va essayer de corriger le tir. Voilà, donc on est tout seul, bien sûr. Hein, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a plusieurs fragments de démiurges dans la zone. Un lieu 6 te fonce dessus! Ça va pas être facile. Bonne chance. Ah ouais. D'accord. Ok. Ça lui fait très peu de dégâts. Bon, plus forcément. Je suis tout seul. Donc, ça, il faut faire. Il fait quelque chose. Ah, bah oui. Allez, on met le mur devant. Alors c'est pas parce que je vous mets devant moi, hein. Ça s'appelle le mur devant, comme le vent. Ouais, ça l'entame quand même ça. Bon, je suis niveau 16. Hein. Pas encore. Hein. Ouais, très bien. Outillé. Voilà. Un petit à travers la trompe. Le mur devant et non derrière. Bon, je suis de passion. Mais on va le voir. Ah,
il est mort. Ça fait plaisir. Voilà. Voilà. C'est bon, il y en a voilà. Qui arrive. Bien. Après on continue de chercher. Une étape de plus. Alors, champ de Minskar, très dangereux. C'est ça, continue. Ok, continue. Des mines comme ok, continue. Jeunes. Ça devrait être bon. Je vais informer les arcanistes. Ils voudront étudier les fragments. Le petit coffre. Alors qu'est-ce qu'on a eu ? De l'inhabituel, le monde commun et le monde inhabituel. Ouais, c'est pas grand chose qui arrive là. Mais bon. Bon, c'est ça, les parties libres, vous vous baladez, d'un seul coup, il y a un événement. C'est sympa pour farmer. Quoi. C'est en fait, on fait tout à distance. J'ai pas essayé les autres, honnêtement, les autres javelins. Moi, le tempête correspond à mon style de jeu et à mon handicap, je dirais. Donc. Ouais, il me plaît bien. Bon. Ah oui, il y a un peu d'intéressant. Ah, attendez. Un truc à découvrir. Formulière, ok. Voilà. Déverrouillé. On n'en voit pas au loin, non? Non. Oui, bah ça fait. C'est pas mal de se balader à droite et à gauche. Ah bah, oui. Ah! Brezreur, bah deux Brezreurs, défi terminé, loyauté arcaniste 2. Alors vous avez des défis. Hein. Je vais vous montrer ça. Alors c'est pas là, c'est là.
Vous avez la liste des défis. Là, aucun défi suivi, sinon, mettons dans les armes, si vous voulez, mettons fusil mitrailleur, maître. Alors là, ils vous disent de terminer les difficultés de. Enfin. De. Comment dire. Terminer les défis de fusil mitrailleur 1 avant de faire le maître. L'arme à su 2. Éliminer les ennemis élites avec massue, là j'en ai éliminé 15 sur 25, parce que, en fin de compte, le pistolet mitrailleur maître, il faut finir celui-là. Ah, donc avec le pivot, mais j'utilise pas le pivot, j'utilise le tempête de grêle, c'est ça comment il s'appelle. Ouais, je suis bête. Faut aller dans la forge pour voir ça, non? Pistolet mitrailleur, voilà. Tempête de grêle, moi j'utilise. Voilà. 1200 balles par minute. C'est essentiel quand même de récolter, parce que quand vous voulez. Ah voilà, regardez, 4 sur 20. Unité sentinelle 2. C'est une pièce de tempête. Ouais, parce que vous avez besoin des ressources pour fabriquer des armes ou du matériel quoi. Alors moi ce jeu je l'aborde vous savez un peu comme comme tous les jeux que j'aborde en monde ouvert hein. Je fonce pas sur les missions et tout le temps ouais. Je l'aborde un peu à la manière d'un Skyrim, quoi, un truc comme ça, un monde ouvert. Donc je cherche, je me balade, vous voyez on peut voler, mais je me balade quand même à pied. Voilà, des ressources. Voilà, et je découvre, les paysages sont sympas, c'est luxuriant, c'est... Bon, tiens, on va rentrer là-dedans. Après tout. Succès peu fréquent déverrouillé. Découvrez tous les secteurs, sites. Ah, voilà, je n'ai pas le temps de lire. Ok. Exploration de la porte de l'Est. Ah, regardez, une petite cascade. C'est un reflet de la pierre. Il n'y a pas des ressources. Ah, regardez. On va faire l'entrée. Hein. Voilà. Impeccable. Oui, c'est pour ça. Moi, j'aime ce. Ce genre de façon d'aborder ces jeux-là. C'est un jeu que tout le monde aborde de manière différente à sa façon.
c'est ce qui me plaît. J'entends des bruits par là. Ça, chacun l'aborde à sa manière, à sa façon de jouer. C'est ce qui me plaît dans ces jeux. Enfin, je vois ça. Il était sorti de Case de Tempête, Brésbrin, 800 pièces, intéressant. Oui, vous y perdez pas, vous baladez comme ça. Par là. Attendez, c'est pas où j'étais venu faire la dernière mission ici. Ah bah non, c'est l'homme qui a vérifié ça, les apparemment. Ce jeu, on l'aborde de la façon que l'on veut. On peut le faire en gros bourrin ou on peut prendre son temps à se balader. Et moi, dès qu'on me sort un arrêt du serveur dans 2 heures, voilà, à chaque fois que je joue, j'ai l'arrêt du serveur. Ah oui, vous rencontrez. Ouais, les jeux m'ont ouvert, ouais, c'est comme ça que je les aborde. Thank you.
Voilà. J'adore le tempête. Voilà. Il faut bien que l'ultime serve à quelque chose. Bon, on a fait un peu le tour. On arrête du serveur, oui, à chaque fois, bien souvent, hein. Quand je me connecte, dans 2 heures, arrêt du serveur, le fameux message. Ah, les chargements sont très longs, très très longs. Soi-disant que le patch, ils auraient amélioré, mais là franchement, ouais. Pour ça, je ne vous l'ai pas mis au début, j'ai commencé la partie sur la plateforme pour vous éviter ces temps de chargement. Voilà, parce que sinon, parce que c'est terrible. Ouais, les temps de chargement sont encore terribles et c'est ce qui agace le plus, je pense, ça et les bugs. Là, on se dit, ça va vite garder un outil en dehors. On a cassé en mur. J'ai l'impression. Thank you.
ça serait bien que quelqu'un se pointe. Quelqu'un là-bas, est-ce qu'il va venir donner un coup de main? Voilà. Bon, ouais, c'est tout à distance. Élément rare, élément commun. On n'a que ce qu'on mérite. Voilà. Bon écoutez, on aura fait un petit tour en partie libre, hein. Vous voyez ce que ça donne la partie libre. Moi je fais ça en détente, en mode monde ouvert. Mais voilà, les ressources, ça en demande beaucoup pour fabriquer. Donc faut pas hésiter, faut passer du temps à les chercher. Un pont dévasté. Beau paysage. Bah écoutez, on va cesser là. C'était une petite partie libre. Donc moi, je borde ça en... Bon, je fais l'émission aussi, mais j'aime bien passer un moment à contempler le jeu, parce que c'est joli. Et puis un monde ouvert, bah, au moins un monde ouvert, bah, il faut explorer, hein, c'est fait pour ça. Sinon, ça serait des couloirs. Voilà. Et bien moi sur ce, si ça vous a plu, n'hésitez pas, abonnez-vous, hein, et puis allez voir ce que je fais d'autre sur la chaîne. Je ne fais pas que ça. Et puis, bah ouais, voilà, actionnez la cloche pour être mis au courant des nouveautés, dans les un jour qui passe. Et puis, bah, partagez, likez, commentez. Et puis, bah, moi, je vous dis à la prochaine, sans doute sur un autre jeu, sur un jeu Switch, les mages de Mistralia. Et voilà. Et ben bah, moi, je vous dis à la prochaine. Ciao. Bye.